titré est là. Merci, monsieur Evrard. Est-ce que vous avez pris un ingénieur du son avec vous? Bonjour, ingénieur. Mais moi, ça fait comment? C'est comme fonction, ouais. Par exemple? À peu près. Voilà, ouais, ça sort. C'est un peu ridicule. Ça va pas finir. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est où qu'il faut regarder? Oh, tu regardes où tu veux, hein. Ah bon? Ah, ça prend tout? C'est pas là, c'est là quand même. Oui. Je suis en train de préparer du... Comment on va l'appeler, là? Du pesto d'ortie? De lierre terrestre. Lierre terrestre, c'est très très bon. C'est une plante envahissante du jardin. Mais qui a une petite odeur de camphre, ça doit être très bon pour la santé. C'est le dernier sirop vendu en pharmacie à l'heure actuelle, autorisé. Voilà, et donc on le mélange avec du fromage frais, tu vois, coupé fin, assaisonné. On va mettre ça sur les tartines de ce soir. Ce soir, il y aura de l'houmous, il y aura ça, de je sais pas quoi, de tapenade, beaucoup de choses. On va se régaler pendant qu'il y aura le bal gascon. De 17 à 19. On est en direct là, hein? Oui, okay. En direct. Ok, génial. Bonjour, c'est quoi qu'elle a alors? Si, là. Eh ben, c'est les plantes du jardin partagé, oui. Breton. Donc, voilà, c'est tout le bouturage qu'on a fait. Donc les gens se servent, c'est ça? Oui, ah, voilà. Et une petite boisson rouge où les gens mettent ce qu'ils veulent. Ah oui, c'est bien. Voilà. Oui. Voilà. C'est bien. Il y en a une surtout, je les mets comme ça dedans. Voilà, ouais. Oui. Tout est gratuit, mais c'est voilà. Merci. Hein. Voilà. C'est envahissant. Hein. C'est envahissant, on peut mettre ça dans un coin. Oui. D'accord. Ah oui. Si c'est bien arrosé, ça. Voilà. Il y a beaucoup de tomates. Alors là, c'est bon. Oh, ils sont magnifiques, les petites tomates, là. N'est-ce pas? Cultivées avec amour. Je te donne pas l'autre. Non, il faut mettre de bonnes chaussettes. Oui, là, c'est des protège-pieds. Voilà. Ah, c'est sur les protège-pieds. Ah oui, depuis que je cherche tes voisins. Ben voilà, les filles. Voilà, oui, bien, bien. C'est pas un problème. Ah, c'est génial. Bonjour. Les Zinzinettes du magasin Zin à Sobrigue. Et voilà, Sonia les galicières. Voilà. Oui, aussi. Vous voyez, oui. Les gens, Noël est passé, ils ont planté l'épicéa dans le jardin, oui. Et puis l'arbre, finalement, au bout de quelques années, l'arbre s'est retrouvé trop près de la maison. D'accord. Donc ils ont décidé de couper l'arbre, oui. De couper la tête de l'arbre à 15 mètres de hauteur. Et pour protéger la coupe, ils ont mis une assiette en aluminium, oui. Qui a été clouée sur les côtés là. Voilà. Ça n'a pas empêché l'arbre de continuer à vivre. Les branches qui existaient se sont développées et se sont même redressées. Toutes les branches latérales s'étaient redressées, il avait retrouvé une forme d'épicéa. Au bout de quelques années, l'arbre est mort. Moi, en tant que professionnel, j'ai été appelé pour le couper. Oui. Et en montant dans l'arbre, j'ai découvert qu'il y avait de plus en plus d'abeilles. À mesure que je montais, il y avait de plus en plus d'abeilles. Ah oui. Et en fin de compte, il y avait une ruche à l'intérieur. Et elle sortait par le trou qui est ici. Là, juste là, il y a un trou. D'accord. Elle passait par là. Et là, la porte s'ouvre là actuellement. Donc quand j'ai vu ça, j'ai récupéré un morceau un peu long. Ouais. Et puis après je me suis dit c'est dommage de ne pas garder ce morceau de bois. Donc j'ai façonné une porte. Voilà. Vous voulez que je l'ouvre? Oui. Pour l'intérieur. Voilà, nous voilà la porte. Ah d'accord. Et en fait, les abeilles étaient à l'intérieur. Et il y avait des gâteaux de cire qui étaient collés au plafond là. Ouais. Et qui étaient tous parallèles, comme dans une ruche. Voilà. Ah, au passage, on peut voir le reste des branches. Oui. C'est le bois de cœur de chaque branche.
Oui. D'accord. Là. Ah, oui, là, là. Le bois de cœur qui est tellement dur que les bactéries et les champignons ne l'ont pas détruit à l'intérieur. Oui. Très bien. Voilà. Eh bien, merci. Ce morceau de bois est en relation avec le stand d'à côté qui parle de la ruche. C'est quoi? Ça, c'est des tomates en forme de muguet. En forme de muguet? Ouais. Ça fait, Et ça sent comme le muguet? Non. Non, et c'est blanc? Je sais pas. Et puis il y a une tomate marmonde et un pied de tomate. Courgette, oui, il y a courgette et concombre. Souriez, vous êtes filmé. Voilà. C'est des noirs, noir 1. Oui, c'est les courgettes. D'accord. Oui. Celle-là, a priori, c'est une assez grosse tomate. C'est la première fois que je la cultive aussi, celle-là. Donc, je ne peux pas... dire le résultat. Je sais pas. On saura l'année prochaine. Et alors, du coup, ce qui m'intéresserait presque plus, c'est une tournée. Parce que... j'amène mon stock. Je m'en sors. D'accord. Je prends des boîtes de Médoc. Oui, oui, très bien. Voilà, après, je fais des petites enveloppes aussi avec du papier. Là, il y a un petit mode d'emploi qui est rapide. Voilà. La cornue, c'est une rouge.